Une histoire de l'Église unique en son genre. Ce petit livre possède, en effet, deux remarquables particularités. En premier lieu, Don Bosco a retracé 19 siècles d'histoire de l'Église en moins de 300 pages. Ce que le catéchisme est aux vérités de la foi, ou ce que le missel est à la liturgie, Don Bosco l'a fait pour l'histoire de l'Église. La seconde particularité de l'histoire de l'Église de Don Bosco, c'est d'avoir été écrite par un saint. Il fut canonisé par le pape Pie XI en 1934. Ce qui rend donc cette histoire de l'Église unique, c'est d'avoir pour auteur un saint, et qui plus est, un saint récent. Les saints sont d'infatigables travailleurs. Mais que dire de Don Bosco? Nous dormons que 4 heures par nuit, une nuit sur deux, il passait un temps considérable à étudier après avoir prié. Il n'a rien écrit qu'il n'ait étudié longuement et après avoir consulté toutes les sources. Durant 50 ans, Don Bosco a encore perfectionné son ouvrage en publiant un grand nombre d'éditions successives qu'il corrigeait avec soin. Et que dire de la sûreté de jugement de ce saint qui lisait dans les consciences de ses contemporains, qui fut favorisé de visions fréquentes, notamment de la Vierge Marie, qui fut favorisé de dons de prophétie comme peu d'autres saints. Non, Don Bosco ne pouvait se tromper beaucoup au sujet des événements passés. Alors, sans doute, certains ne manqueront pas de dire qu'un auteur catholique, fût-il saint, aura immanquablement manqué d'objectivité. Que l'on ne saurait donner grand crédit à cet adversaire déclaré des Vaudois, ces protestants sectaires dont il eut à subir les violences. Certes, il est incontestable que Don Bosco n'était pas partisan de la repentance qui condamne la Sainte Église catholique pour avoir combattu les hérétiques et fait détester leurs crimes. Saint Jean Bosco est incontestablement saint et historien d'une autre Église. Que Don Bosco veuille bénir le traducteur, l'éditeur et les trois correctrices de cet ouvrage.